En arrivant dans cet endroit, j'ai eu comme l'impression d'être déjà passé ici. Et là, je me suis rappelé. Je suis déjà venu ici. J'avais 10 ans. Je suis venu avec mon cousin, à peine plus vieux que moi. Bon là, ça nous ramène dans les années 70. On m'a décrit cet endroit comme étant un ancien hôpital militaire de la guerre de 14. C'est en 1912 que ce dispensaire a été construit. Pendant la guerre, les Allemands l'ont utilisé comme hôpital militaire. Lors du recul, ils l'ont dynamité en 1917. On arrive encore à distinguer quelques éléments de la construction. Ici, un balcon. Là, on distingue encore les marches de l'escalier qui menait à l'entrée principale du dispensaire. Là, on distingue les restes d'un autre balcon, comme on peut le voir sur cette photo, prise par les soldats allemands pendant leur séjour. Pour l'époque, le bâtiment était vraiment une construction d'avant-garde, entièrement coulée en béton armé, avec de la ferraille d'une sacrée bonne section. Après la guerre, tout était rasé, plus d'habitations. Certaines familles sont venues s'abriter ici. À l'arrière du pavillon se trouvait un réservoir que l'on peut toujours apercevoir. Regarde, là, c'est une fenêtre là. On aperçoit encore la trace du toit du hangar qui se trouvait juste derrière le pavillon. On voit ici les Allemands qui posent pour la photo. Ici, sous l'escalier, un curieux système de récupération des eaux qui devait alimenter une fontaine. Quelle émotion, retrouver cet endroit 50 ans après.